Rassemblement de gilets jaunes ce vendredi devant le commissariat de Brest. Ces manifestants étaient là en soutien des deux porte-voix du mouvement, en garde à vue depuis la veille, en raison de la manifestation tendue de mardi dernier. Les deux gilets jaunes seront jugés le 21 mars prochain, entre autres pour manifestation sans déclaration préalable. Ce samedi, des actions sont prévues à Brest, dans le pays de Saint-Brieuc et à Rennes. Ambiance tendue ce vendredi à Bic Écriture à Vannes. Les syndicats ont quitté la table des négociations en attendant un projet concret de la direction. Pour rappel, 33 licenciements sont programmés par le nouveau repreneur du site. Par ailleurs, le député Hervé Pellois aurait trouvé un local à Saint-Avé pour maintenir la production dans la région. La centrale à charbon de Cordemais en Loire-Atlantique pourrait fonctionner au-delà de 2022 pour garantir l'approvisionnement en électricité de la Bretagne. C'est François de Rugy, ministre de la Transition écologique, qui l'a annoncé ce vendredi au syndicat. Pour cela, il faut que la centrale réussisse son projet de conversion à la biomasse. La fermeture de Cordemais pourrait représenter un risque pour la Bretagne. L'avenir de l'EPR de Flamanville et de la centrale de Landivisiau étant toujours incertain. Le Japon et la France scellent leur coopération à Brest. Ce vendredi, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et Florence Parly, ministre de la Défense, ont reçu leur homologue nippon à la préfecture maritime. Cette coopération se traduira dès cette année par un exercice militaire dans l'océan Indien, un exercice qui impliquera le porte-avions. 81 000 euros récoltés pour le projet éolien de Porspoder dans le Finistère. 58 personnes ont investi entre 50 euros et 3 000 euros pour financer les études de développement portées par Épuron. 50% de la somme est prêtée par les riverains. Ce projet prévoit l'installation de 3 à 4 éoliennes pour alimenter environ 6 400 foyers. Mmh.